Alors que j'étais encore à l'université, j'ai décidé de bosser dans une petite épicerie de ma ville. Ma responsable était flexible avec mon emploi du temps, et j'avais besoin d'argent pour l'essence. J'ai été formé par ce gars, qui m'a donné une impression un peu bizarre. Mais je me suis dit qu'il était simplement maladroit lorsqu'il s'agissait d'avoir des interactions sociales. Finalement, je me sentais de plus en plus à l'aise avec lui, et je lui demandais souvent de l'aide pour diverses choses. Il savait tout ce qu'il y avait à savoir sur le job. Quelques mois après avoir commencé, ma patronne m'a appelé à son bureau. Dès que je suis rentré, j'ai constaté qu'elle pleurait. Un autre gérant du magasin était là aussi. Il était silencieux et visiblement secoué. Ils m'ont dit que le collègue avec qui je bossais s'était rendu à la police la veille au soir. Pour meurtre. Il y a 4 ans, un meurtre infâme avait eu lieu dans la ville. Une femme avait été poignardée alors qu'elle faisait son jogging sur un sentier autour de 7h du soir. C'était une vieille histoire et à peu près tout le monde était passé à autre chose. Apparemment, ce type était passé à l'acte et avait gardé tout cela secret pendant 4 ans. C'est sa culpabilité qui a fini par devenir trop lourde. Le pire, c'est que personne n'aurait deviné. Il était toujours gentil et serviable avec tout le monde. Les clients ont été particulièrement bouleversés, et ce pendant des mois. La semaine avant de se rendre, il m'avait acheté un soda que je n'avais jamais goûté pour me faire plaisir. Il m'a fallu beaucoup de temps pour pouvoir digérer ça. Il est effrayant de se dire qu'on ne sait jamais vraiment avec qui on travaille, ni de quoi sont capables certains collègues. Cela ne m'est pas arrivé, c'est arrivé à mon père quand il avait 17 ans, en 1982. Il s'était enfui de chez lui parce qu'il avait des problèmes. Il m'a jamais dit exactement ce qu'il avait fait, mais je savais qu'il avait eu une jeunesse assez folle et instable. Pour échapper aux ennuis, il s'était rendu à Londres et s'était installé dans un bar près de la gare, pendant quelques heures pour essayer de trouver une solution. Très vite, un homme s'est approché de lui et lui a offert plusieurs tournées de boissons. Cet homme était très gentil, charmant, et semblait vraiment compatissant avec mon père. Il a offert à mon père de l'héberger pendant quelques jours gratuitement. Mon père m'a dit qu'il l'avait envisagé, pensant en fait qu'il pourrait détrousser l'homme. Mais il a changé d'avis à la dernière minute, pensant que l'homme avait été sympa avec lui. Mon père est finalement rentré à la maison. Environ un an plus tard, alors qu'il s'était installé avec la femme, qui deviendrait plus tard ma mère, il se mit à regarder les actualités à la télévision, lorsque le même homme est apparu sur l'écran après avoir été arrêté. C'est ensuite qu'il a appris que l'homme s'appelait Dennis Nielsen, surnommé l'étrangleur à la cravate, ou le Jeffrey Dahmer britannique. Un homme avec qui il avait parlé pendant des heures dans ce pub de Londres. Apparemment, lorsque Nielsen est apparu à la télévision, mon père est devenu blanc comme un linge et s'est immédiatement mis à trembler. Bien que ce ne soit pas mon expérience, je suis toujours extrêmement prudent et méfiant envers les personnes que je ne connais pas. Et Dennis Nielsen est décédé en 2018, et par chance, il ne rencontrera plus personne. Je me lève normalement vers 4h du matin, prêt à me préparer pour aller travailler. À 5h30, je venais de déposer ma fille à la babysitter et je me suis rendu compte que j'avais oublié de préparer mon déjeuner du midi. J'ai donc décidé de m'arrêter au Walmart du coin pour me prendre quelque chose. Le parking était vide, tout comme le magasin, à cause de la rapidité avec laquelle ils enchaînaient les clients. Je suis rentré à l'intérieur, j'ai pris ce dont j'avais besoin et je suis retourné à ma voiture. D'instinct, je verrouille toujours les portières de ma voiture quand j'entre à l'intérieur. Une bonne habitude. Je regardais un truc sur mon téléphone, lorsque tout d'un coup je vois ce type complètement normal qui se tient à ma fenêtre. Je ne sais pas comment, mais je ne l'avais même pas vu s'approcher. Il m'a fait sursauter. Et j'ai immédiatement posé ma main sur ma hanche par réflexe. Car oui, par le passé, j'ai été détentrice d'une arme à feu. Il me fait signe de descendre la fenêtre, et bêtement, je le fais. Mais à peine assez pour que je puisse l'entendre. Il me demande ensuite de l'emmener, car sa voiture est en panne, que son téléphone est mort, et qu'il habite juste au coin de la rue. Ce qui semblait étrange, parce qu'il faisait environ 20 degrés à l'extérieur. C'est une petite ville, les routes sont peu fréquentées. Pourquoi ne pas marcher? Je m'excuse en l'informant que je ne transportais pas les gens que je ne connaissais pas, mais que je serais tout à fait ok pour lui appeler un taxi pour venir le chercher.
C'est alors qu'il s'est fâché contre moi, en exigeant à nouveau de monter, tout en tirant sur la poignée de ma porte violemment. J'ai crié « S'il vous plaît, laissez-moi, je vous conduirai pas, vous me faites peur !» C'est là qu'il m'a dévisagé, avec le regard le plus dérangeant que je n'ai jamais vu sur le visage de quelqu'un. Je jure que ses yeux sont devenus noirs lorsqu'il m'a répondu « Eh bien, je suppose que tu resteras vivante aujourd'hui. » Il s'est retourné et il est parti. Je tremblais littéralement et j'étais presque en larmes. Il m'avait tellement effrayé. Je me suis immédiatement éloigné et j'ai appelé la police. Je n'ai jamais eu de nouvelles de leur part. Je ne sais même pas s'ils ont enquêté. J'espère que personne ne croisera ce monstre. Je suis allé boire un verre avec des amis pendant mes études universitaires. On avait décidé cette nuit d'aller dans un quartier différent de la ville pour trouver des bars dans lesquels nous n'étions jamais allés. La partie de la ville où nous nous sommes rendus était plutôt dangereuse de nuit. Beaucoup de gens dormaient dans les rues et des gars en survêt plutôt chauds y traînaient. À un moment de la nuit, après avoir quitté le bar était tout pourri au passage, nous nous sommes décidés à rentrer chez nous. Je me souviens pas exactement de ce qui s'est passé, mais on s'est disputé, mes amis et moi. J'ai décidé de les laisser en plan et de me barrer. Je suis parti loin devant eux. Il était à peu près 3h du matin. Maintenant seul, je traverse ce pont pour atteindre l'autre côté de la ville, donnant sur un grand front de mer. À chaque côté du pont, donnait eux, directement sur l'eau glacée. Depuis que j'avais quitté mes amis, je n'avais vu personne. C'est lorsque j'ai traversé le pont que j'ai entendu parler derrière moi, des voix qui se rapprochaient rapidement. J'ai compris qu'il s'agissait de deux hommes d'âge moyen. Ce n'étaient pas mes amis. Merde. J'essaie d'écouter et de comprendre ce qu'ils disent. On le fait ? On le balance ? Ouais. En entendant cela, j'ai explosé dans un sprint. Un sprint que j'ai tenu tout le long du chemin jusqu'à la maison. À l'époque, j'ai pensé qu'il s'agissait peut-être d'une blague. Peut-être que ces deux types se moquaient de moi. Bien qu'ils n'en avaient pas du tout l'air. Mais ça, c'était juste qu'il y a quelques mois. J'ai entendu parler du corps d'une fille qui avait été retrouvée dans l'eau à cet endroit. Pas de suicide. Les caméras de surveillance ont montré qu'elle avait été jetée du pont par deux inconnus opportunistes. Aux dernières nouvelles, ils n'ont toujours pas trouvé les personnes à l'origine du crime. J'aurais aimé avoir vu leur visage pour pouvoir signaler quoi que ce soit à la police. J'espère ne plus jamais avoir affaire avec ces deux-là. C'est lorsque je rentrais chez moi que j'ai réalisé qu'une camionnette se trouvait derrière moi depuis des kilomètres. Juste histoire d'être prudente, j'ai fait un brusque demi-tour. Il l'a fait aussi. C'est là que j'ai compris qu'il me suivait. Alors que j'étais au téléphone avec la police, j'ai pris des virages serrés et j'ai brûlé des feux rouges pour essayer de le semer. Ça ne l'a pas stoppé. J'ai failli littéralement heurter une voiture à deux reprises alors qu'il accélérait pour essayer de me rattraper. L'opérateur au bout du fil m'a demandé de me garer dans une épicerie locale et d'attendre la police. Je me suis garé juste devant l'entrée du magasin avec caméra de surveillance et j'ai attendu. La personne décida de garer sa camionnette à distance et attendait visiblement que je sorte de ma voiture. Tout d'un coup, j'ai entendu un coup à la fenêtre. J'ai paniqué. Il s'est avéré que c'était le responsable de l'épicerie qui m'a informé que les services de police venaient de l'informer de la situation. Il m'a demandé si je voulais aller à l'intérieur du magasin afin de me mettre à l'abri, jusqu'à l'arrivée des flics. Honnêtement, je craignais le pire. Et j'ai répondu non. Je tremblais. Je me disais que ce maniaque était peut-être armé, et qu'il pourrait me tirer dessus, ainsi que sur toutes les personnes présentes à l'intérieur. Les flics sont arrivés, et l'ont heureusement coincé à l'arrière du parking. Je tremblais encore quand ils se sont présentés à ma voiture. Je continuais de serrer le volant très fort. Cette personne avait déjà été coincé 3 fois pour conduite en état d'ivresse. Suite à cet événement, la police a réalisé un rapport. Je ne savais pas qui il était. Apparemment, il vivait à quelques kilomètres de chez moi. Malheureusement, 2 mois plus tard, j'ai reçu une lettre m'informant que je pourrais être convoqué lors de son procès. J'appelle le service de justice qui m'a envoyé la lettre, et il m'annonce que non seulement le gars est de nouveau libre,
mais que mes informations, y compris mon adresse, figuraient dans le rapport de police qui lui a été fourni, ainsi qu'à son avocat. Bravo les services de police. Je vis maintenant dans la crainte qu'il puisse venir d'un jour à l'autre me faire du mal.